Je m'appelle Blandine et je suis étudiante en 5e année à l'Institut National du Patrimoine en spécialité art textile. J'ai choisi de travailler sur les broderies du manteau de la reine Arégonde qui sont aujourd'hui conservées au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. J'ai choisi cet objet car j'étais très intéressée par les textiles médiévaux et surtout avoir un textile de cette époque-là très ancien, c'était assez exceptionnel. Cet objet présentait aussi l'intérêt d'avoir été restauré avec un mélange de ciré de résine en 1960. Ça posait beaucoup de questions scientifiques, on se demandait si c'était possible ou non de restaurer l'objet. Ça m'a beaucoup intéressée de dire que finalement ce traitement était très bien en 1960 et aujourd'hui on considère qu'il faut l'enlever. Et donc ça pose la question de nos interventions aujourd'hui. Peut-être que dans 60 ans on se dira aussi que c'était pas adapté. Ces interrogations sur la durée de nos interventions m'intéressaient pour cette année de mémoire.